On aime tous lire ou entendre des histoires d'épouvante, celles qui font frissonner le soir avant de se coucher, ou celles que l'on écoute l'été, à la lueur d'un feu de camp, entouré par les ténèbres de la nuit sombre. Ces histoires, c'est justement ce qu'a proposé Alvin Schwartz dans ses livres Scary Stories to Tell in the Dark, dont l'adaptation au cinéma sera à l'écran au mois d'août. Alors si vous voulez en savoir plus, avancez dans l'obscurité de la séance de minuit. C'est en 1981 que fut publié le premier tome de Scary Stories to Tell in the Dark, contenant 29 histoires courtes adressées aux jeunes enfants, des histoires de maisons hantées, d'épouvantails, de fantômes ou encore de babysitters en proie à un psychopathe, qui sont basées sur des récits du folklore américain ou des légendes urbaines qui se racontent de génération en génération. Le livre n'a à ce jour pas connu de traduction française, mais avec la sortie du film, une compilation entièrement traduite est prévue. Ce qui marqua énormément à l'époque et fit la renommée de cette série de livres, ce sont les illustrations de Stephen Grammel qui accompagnaient ces histoires et qui sont, croyez-moi, bien plus terrifiantes que les histoires elles-mêmes. Si les enfants et les fans adoraient ces livres, ce n'était pas le cas de certains parents qui trouvaient tout cela assez inapproprié pour leur progéniture. Et en 2011, l'éditeur décida de remplacer les anciens dessins par quelque chose de plus enfantin. Mais ces illustrations avaient tellement marqué les lecteurs que cela provoqua une énorme levée de boucliers de par la communauté de fans qui ne voulaient pas que celles-ci soient remplacées. L'éditeur fit un retour en arrière en 2017 et y réintégra les travaux de Grammel. Et en 2019, c'est une adaptation au cinéma qui voit le jour. L'histoire prend place en 1968 dans une petite ville de Pennsylvanie où dans un manoir abandonné sera retrouvé un livre contenant de terribles histoires écrites par une jeune fille au passé torturé. Peu après, certaines des créatures contenues dans ces récits feront irruption dans la réalité. Toutes ces créatures sont parmi les plus iconiques des livres de Schwartz. L'épouvantail, la femme à la peau pâle, le squelette issu d'une histoire où un cadavre veut retrouver le doigt de pied qui lui a été volé. On aperçoit rapidement l'histoire du bouton rouge où une jeune fille découvre un bouton sur sa joue qui s'avérera contenir quelque chose de vraiment immonde. Le film se rapproche un peu de l'adaptation de Chair de poule sortie au cinéma en 2015, où des enfants vont devoir faire face à toutes ces choses qui se sont matérialisées dans leur propre monde, bien que ce Scary Stories, de par son ambiance et ses visuels, semble bien plus sombre et effrayant. Le film est réalisé par Andre Ovreda, qui était déjà derrière les excellents Troll Hunter, et surtout le génialissime L'autopsie de Jane Doe, que je vous conseille absolument. L'autopsie de Jane Doe raconte comment un médecin légiste et son fils vont découvrir un terrible secret dans le cadavre d'une jeune femme dont ils doivent faire l'autopsie, et au fur et à mesure de leur découverte, des choses très étranges vont se passer dans leur crématorium. Si vous ne l'avez pas vu, foncez immédiatement et n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Scary Stories est également produit par Guillermo del Toro, qui en tant que grand fan des livres d'origine, avait vraiment pour projet de donner vie à ses récits de la meilleure manière, ne voulant pas en faire un film d'anthologie contenant plusieurs histoires séparées, comme le fut par exemple Creepshow, mais souhaitant fusionner tout cela dans une seule et même histoire. Quant aux effets spéciaux, les créatures sont faites à la bonne vieille méthode, masques, prothèses et animatroniques, utilisant même les services d'un contorsionniste en combinaison pour la créature nommée le Jungleman, et qui a été créé spécialement pour le film. L'effet numérique n'intervenant qu'en dernier recours pour rajouter un effet encore plus inquiétant à ces choses, l'effet recherché étant que le spectateur puisse se dire ça semble vraiment réel, mais il y a quand même quelque chose qui cloche avec ce que je suis en train de regarder. Scary Stories sortira le 21 août au cinéma, n'hésitez pas à me dire si vous avez pour projet de voir ce film et si vous en connaissiez les récits. Et si vous aimez vraiment vous faire peur en écoutant des histoires, je vous conseille de jeter un œil et une oreille aux vidéos de mon ami Creepy Stories, qui écrit lui-même toutes ses histoires et effectue un incroyable travail de conteur. Croyez-moi, ces histoires m'ont plus d'une fois fait rallumer la lumière alors que je les écoutais dans le noir. Je vous laisse le lien de sa chaîne dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine séance de minuit.